Bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez très très bien. Je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques destinée pour les étudiants et les étudiantes de la deuxième année collégiale. Ce sont des activités de découverte. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Nous avons l'activité 1. On considère les trois rectangles R1, R2, R3. Rectangle 1, rectangle 2, rectangle 3. De même dimension. Ça veut dire qu'ils ont la même longueur et ils ont la même largeur. À recopier sur ton pays ou bien sur vos pays. Bien. Voilà le rectangle R1. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreaux de longueur. Et nous avons 3 carreaux de large. Alors, ça veut dire que l'ensemble des carreaux est égal à 8 fois 3 est égal à 24 carreaux. La surface de ce rectangle est égale à 24 carreaux. Bien. Alors, nous avons 3 rectangles qui ont la même surface, ça veut dire 24 carreaux. Bien. Alors, voilà le deuxième rectangle R2 et voilà le troisième rectangle R3. Alors pour le rectangle, le premier rectangle, colorie les deux tiers de la surface du rectangle R1. Voilà le rectangle R1. Alors on va colorier deux tiers. Qu'est-ce que ça veut dire deux tiers? Ça veut dire, on va diviser le rectangle ou bien la surface du rectangle en trois partie et je prends deux parties. Je vais diviser le rectangle en trois parties, par exemple, voilà 1, voilà 2, voilà 3, et je prends deux parties. Ça veut dire 8 fois 3 est égal à 24. C'est le nombre des carreaux. Alors, 2 tiers de 24 est égal à combien? Alors, nous avons ici, voilà, 24 multiplié par 2 sur 3, ça veut dire 24 divisé par 3 est égal à 8, et on va prendre deux parties, ça veut dire 8 et 8, ça veut dire 16. Bon, voilà, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà le nombre de carreaux. Nous avons 5, 5, 5 et 1, 5. Voilà 16 carreaux. C'est compris? Alors, c'est ce qu'on appelle 24 divisé par 3, multiplié par 2. C'est la partie coloriée, c'est 16 carreaux. Donc, on a colorié 16 carreaux, ça veut dire 2 tiers de rectangle. Pour le rectangle R2, colorier le 1 sur 8. Voilà le rectangle R2. Il est composé de 24 carreaux, comme le premier, ils ont la même dimension. Alors on va colorier 1 sur 8. Qu'est-ce que ça veut dire 1 sur 8? Ça veut dire 24 multiplié par 1 sur 8, c'est égal à 24 divisé par 8, c'est égal à 3. Donc on va colorier 23 carreaux. Voilà, 3 carreaux. Voilà le 1 tiers. Voilà le 1 tiers. Pour le R3, colorier. Alors, dans R3, ça veut dire le rectangle 3, 2 sur 8 plus 1 sur 3, ça veut dire deux fractions. Nous avons 2 sur 8 qui est égal à plus, 6 sur, plus 1 sur 6 est 3. Donc, il faut rendre le même dénominateur, c'est 24. Donc, par quoi je multiplie 8 pour tenir 24 par 3, donc je multiplie par 8 égale à 6. Par quoi je vais multiplier 3 par 2, 24, c'est pas 8, donc je multiplie par 8, donc il est égal à 14 sur 24. Alors voilà, 14 sur 24. On va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà donc la partie colorée, ça veut dire la somme. Ça veut dire la somme. Voilà, 2 sur 8 plus 1 tiers est égal à 14 sur 8. Donc nous avons 14 sur 24 carreaux. Nous avons 14 carreaux coloriés sur 24 carreaux. Bien.
Bien, voilà la deuxième et la troisième question. Hein? C'est la troisième question. Maintenant, passons à B. Passons aux questions B. Alors, dans le rectangle R1, ça veut dire le premier rectangle, ou bien voilà un autre rectangle, colorier un demi. Ça veut dire un demi, la moitié. Ça veut dire que nous avons le rectangle qui est composé de 24 carreaux. Donc, qui dit la moitié, c'est 12. C'est la moitié, c'est 12. Dans R2, colorier un tiers. Le un tiers, ça veut dire le rectangle, on va le diviser par 3 et on va prendre une partie. Dans R3, on va colorier un demi moins un tiers. Puis on complète l'égalité 1 demi moins 1 tiers. C'est ça ce qu'on va justifier maintenant. Suivez bien et faites attention. Donc voilà le rectangle 1, le rectangle 2, voilà le rectangle 1, voilà le rectangle 2, voilà le rectangle 3. Alors, colorier dans le rectangle 1, 1 demi. 1 demi, ça veut dire quoi? Ça veut dire 24 multiplié par 1 divisé par 2 qui est égal à 12. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons 4, 4 et 4. Voilà. Voilà, 1, 4, 4, voilà la partie qui est convertie au long. Donc, est égal à 1,5 est égal à 12 là. Dans R2, on va colorier un tiers. Ça veut dire 8. Donc, voilà. Le rectangle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le 26, ça veut dire 24 multiplié par 1 divisé par 3 est égal à 8. Est égal à 8. Donc, voilà 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, voilà la partie qu'on va colorer. Voilà. Voilà la partie qui est égale à 8. Qui est égal à 8. Dans le rectangle R3, colorier 1 demi moins 1 tiers, ça veut dire. Alors voilà la réponse, c'est égal à 1 demi moins 1 tiers. Alors le dénominateur commun c'est 6. Donc je dois multiplier 2 par 3, donc 3 fois 1 égale 3. Et je dois multiplier 3 par 2, donc 2 fois 2 est égal à 1. Donc 3 moins 2 sur 6 est égal à 1 sur 6. Alors comment on va faire? Nous avons ici 24 carreaux. Donc il faut chercher le dénominateur 24. Donc, je vais chercher la fraction égale à 1 6 dont le dénominateur est égal à 20, 24. Donc, je dois multiplier 6 par 4 pour trouver 24. Je dois multiplier 1 par 4 pour trouver 4. Donc, 4 plus 24. Donc, je dois colorier 4 carreaux. Hein, voilà 4 carreaux. 4 carreaux sur 24. 4 carreaux sur 24. Donc, 4 carreaux sur 24. Voilà la réponse. De l'exercice numéro 1. Alors, pour l'exercice, l'activité numéro 2, pardon, l'activité, non pas l'exercice, nous avons Marois à acheter une tablette de chocolat de 20 carreaux. Une tablette de chocolat composée de 24 carreaux. Alors, Marois a mangé 6 carreaux et Ilias a mangé 4 carreaux. Voilà la tablette, voilà la part de chacun. Et Ilias a mangé 4 carreaux, voilà 1, 2, 3, 4,
Donc il a enlevé 4 carreaux sur 20, 4 fois 1 sur 20, qui est égal à 4 sur 20. Donc nous avons 6 carreaux pour moi et 4 carreaux pour Elias. Donc ça fait 10. Quel est le nombre de carreaux qui reste? Alors 5, 8, 10. Donc il reste 10. Voilà. Alors, quelle fraction de la tablette ont-ils mangé à 2? Ça veut dire la part de l'ensemble des carreaux. Ou bien l'ensemble des morceaux de chocolat ont-ils mangé tous les deux? Ça veut dire pour moi, il a mangé 6 carreaux sur 20 et pour Elias, il a mangé 4 sur 20. Alors nous avons ici deux fractions qui ont le même dénominateur et la règle des quand deux fractions ont le même dénominateur, je garde le dénominateur et je fais la somme des numérateurs. Donc 6 plus 4 est égal à 10 sur 24. 6 plus 4 est égal à 10 plus 4. Voilà la fraction qui représente la partie mangée de chocolat. La partie mangée de chocolat par les deux enfants. Par les deux enfants. Quelle fraction de la tablette reste-t-il? Alors nous avons ici la tablette qui est composée de 20 carreaux. Ça veut dire 20 sur 20. Hein? Alors la partie mangée c'est 10 sur 20. Donc je dis qu'il est 20 sur 20 moins 10 sur 20. Alors, les deux fractions, ils ont le même dénominateur, je garde le même dénominateur et je fais la différence, si vous voulez, 20, je fais 20 moins 10, hein, qui est égal à 10 sur 20. Voilà la partie restante. La partie restante. Voilà la partie de la tablette du chocolat qui reste. Recopier, compléter. Nous avons 6 sur 20, c'est la partie de Marois. Plus 4 sur 20 la partie de Elias. Alors, si on a fait la somme, je garde le dénominateur, je fais la somme du dénominateur, je trouve 10 sur 20. Alors, si nous avons 24 sur 24, hein, 100%, nous avons ici moins 10 sur 20, hein, sur 24. Alors, on fait la différence du numérateur, je garde le dénominateur pour 1, c'est 24. 24 moins 10, c'est égal à 14 sur 20. Voilà la leçon d'aujourd'hui. Hein. J'espère qu'elle soit bien comprise, bien assimilée. Je vous conseille de lire la vidéo deux ou trois fois pour bien l'assimiler, pour bien l'inculquer dans vos mémoires. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre votre pouce sur j'aime et abonner pour recevoir toujours de nouvelles. Bonne chance, bonne réussite et à bientôt.